Prums, à moi les gâteaux. Vite, le filet à papillon. Eh bien, vous vous lancez dans une collection d'étiquettes? Ou vous cherchez à comprendre ce que vous mangez? J'aimerais bien, mais protéines, lipides, magnésium, c'est vraiment trop compliqué. Mais non, vous allez voir, tout est dans la méthode. On va d'abord regrouper les étiquettes qui se ressemblent. Oui, on n'a qu'à commencer par celles qui contiennent le plus de protéines. Je me demande à qui sont ces étiquettes. Bah, mais on dirait le groupe des viandes, poissons et œufs. Bien vu. Les protéines sont les aliments bâtisseurs. Et maintenant, les produits contenant surtout des glucides. Oh, bonjour les féculents. Les glucides correspondent donc aux aliments énergétiques. Et les lipides alors? Ils servent à quoi? Mais oui, les lipides, ce sont les matières grasses. Et donc, des aliments énergétiques aussi. Et pour savoir l'énergie totale apportée par un aliment, il faut regarder la quantité de calories sur l'étiquette. C'est sa valeur énergétique. Et les autres indications alors? Fibres, zinc, sodium, fer, vitamine A, B, K... Les vitamines, je sais. Elles protègent notre corps contre les maladies. Mais les fibres et les sels minéraux comme le zinc, le fer ou le magnésium aussi. On en trouve surtout dans les fruits et les légumes. Ce sont des aliments... protecteurs! Maintenant, vous savez lire les étiquettes alimentaires. Avec tout ça, j'allais oublier ma tarte aux pommes. Oh là là! Mais elle contient beaucoup de lipides. Anna, je te la donne si tu veux. Non, merci. Je vais prendre la dernière compote de pommes 100% fruits. Mais non, je rigole. On partage.